vous souvenez-vous, les amis, de ce niveau Native Fortress, complètement horrible? Allez, bonjour tout le monde, c'est Galal, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la deuxième île de ce Let's Play de Crash Bandicoot sur le jeu, le premier opus de la série. Comme d'habitude, Let's Play numéro 4. Attention, c'est parti pour le boss Reaper Rouge. Si vous vous en souvenez bien, nous l'avions complètement zappé, complètement raté surtout. J'avais perdu mes 5 ou 6 vies que j'avais récupérées au niveau précédent. Donc on est parti, on va le retenter. Et par contre, j'ai une nouvelle, les amis. J'ai une nouvelle façon de faire avec les sauvegardes, comme je vous en avais parlé à la fin de l'épisode d'avant. C'est-à-dire que je vais pouvoir sauvegarder avec la touche F1 et F3 à l'endroit et au moment où je veux. Donc normalement, on devrait pouvoir s'en sortir et ça me permettra de tuer le boss. Wow, par contre, on s'écarte un petit peu. Ouais, c'est forcément pas évident ce jeu, hein, surtout ce boss-là. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Alors ce qu'il faut faire, c'est essayer de le tuer à cette hauteur-là, en règle générale. C'est pas mal. Hop, voilà. Hop. Et là, normalement, ça devrait lui exploser. Voilà, là, on l'a touché une fois. Tout va bien. C'est cool. Allez, saute dessus. Alors, essayons pas non plus, nous, de nous faire péter la tronche. Hop. Ça a pas marché. Ok, donc, en général, on s'écarte. On va attendre que lui arrive ici. Et là, par contre, on pourra sauter dessus. Ah, zut, il va venir. Hop, on y va, et là, on saute dessus. Bim. Non, ça l'a pas touché. Ah, c'est pas vrai. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile, les amis. Allez, on va faire celui-là, maintenant. Et normalement, on devrait l'avoir, là. En plein dessus. Magnifique. Ça, c'est bon, ça. Allez, soyons fous, le dernier. Waouh, surtout de pas tomber. Voilà, là on l'a eu à deux reprises. Je crois qu'on l'a eu, c'est bon. Ouais, ok, impeccable. On l'a réussi, donc vous voyez que là c'est bien plus facile. Lorsque l'on a la sauvegarde, on peut reprendre. Bon, honnêtement, je m'en suis pas servi hein, pendant ce boss. C'est juste que là, je m'en suis bien mieux sorti. Donc tant mieux, écoutez, j'avais refait en solo Up the Creek et la forteresse hein, pour pas vous remontrer encore pour une quatrième fois les niveaux, parce qu'on l'a déjà pas mal vu. Alors on est parti, The Lost City, la ville perdue. Ouh, attention, The Lost City, et mine de rien, là on commence vraiment à arriver dans des niveaux qu'on ne connais pas, parce que moi, oui, je ne connais pas ces niveaux pour le moment. Attendez, je vais récupérer le masque. C'est bizarre, c'est sous fond de... pas mal de profondeur. D'accord, ça a l'air joli, ça change un petit peu. Alors par contre, ça, faut le récupérer. Forcément, il y a une vie. Faut pas se faire avoir, hein. Oula, je croyais que j'allais mourir, en fait. Allez, récupère-moi la vie. Hop, alors, est-ce que je peux sauter sur la caisse? Oui, qu'est-ce qu'il y a en haut? Rien du tout. D'accord, bon, bah, il y a rien, écoute. Oh non. Bah, comment on fait pour remonter, nous? Non. On est obligé de se tuer, en fait. D'accord, c'est la caisse qui me permet de remonter en haut. Je n'avais pas compris. Et pourquoi, là, on peut y aller? Là, on peut pas y aller. Tu te fous de moi? Attends. Logiquement... merde, je suis en train d'user toutes mes vies. Logiquement, les amis, si on peut y aller d'un côté, on peut y aller dans l'autre, non? C'est pas logique? Ce que je dis? Wow. Oh, comment j'ai fait ça, moi? Oh, je peux essayer de faire comme ça, alors. Je vais réessayer. Attendez. Ah, est-ce qu'on peut y aller? Oui! Oh là là! Oh mon dieu, quel professionnalisme! Ou pas? Oula! Oula! Dis donc! Ok, donc là on peut le tuer comme ça. J'ai eu peur parce qu'il avait des sortes de piques sur le dos. Donc heureusement, on a des vies ici. Ça, c'est bien. Allez, on récupère. Ça fait toujours plaisir. Ah, voilà, là on est à 15 vies. Alors, à mon avis, s'ils nous en donnent dès le début du niveau, c'est qu'on va avoir grandement besoin. Et oui, parce que dans ce jeu, les vies passent très vite. Attention, là, il y a les plateformes qui bougent. C'est déstabilisant, ça. Voilà, il y a des fouilles de chauves-souris. Tout le monde descend. Saleté de chauves-souris. Ah, ça, je m'en rappelle. Hop, d'accord. Faut les éviter à max. On n'est pas dans Tomb Raider, vous en faites pas. Hop, alors, j'ai récupéré un bonus. Ok, attention. Voilà, les chauves-souris qui passent, on les laisse passer. C'est des petits chemins de chauves-souris. Dégage. Voilà, ah zut, j'aurais pas dû casser la caisse, je suis bête. Je suis bête. Alors. Ok, checkpoint. F1, voilà, histoire que j'enregistre en même temps. Ah, pourquoi il y a un bloc tout seul ici? Ah, je ne sais pas du tout, parce que normalement... attention, ça rebondit. Oh là là. On va y arriver, les amis. Oh, attention. On reste en bas, parce que les nuées de chauves-souris, c'est pas pour moi. Alors, attention ici. Ne pas tomber, surtout.
Ah! D'accord, F3. Voilà, je reprends d'ici. Impeccable. Hop. Donc, je vous avais dit, là, je m'en suis servi, donc, du coup, de la sauvegarde. Je pense que vous avez pu le voir. Donc, c'est vachement agréable, quand même, de pouvoir utiliser ça. Alors, attendez. Là, ce qu'on va faire, on va remonter là-dessus. À mon avis, on va faire tout le tour. Et on va essayer de choper la vie en haut. F1. Voilà, donc, il y a un petit temps de ralentissement, le temps que j'ai ce machin. Ouh, attention. Dégage. Et on va récupérer les caisses là-bas. Ouais, ça va, c'est un mix entre un niveau 2D et 3D. Je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Ah d'accord, je croyais que si on virait le le chef des chauves-souris, ça allait le faire, et ben non. Ok, donc là le checkpoint. Oh, enfoiré, il a sauté. Oh, il est méchant lui. Alors, je ne sais pas du tout comment passer en haut. Alors pas du tout, peut-être ici, ouais. Attends, il y a une on dirait que c'est une plateforme ça, qu'on peut monter dessus. Vous avez vu? On dirait une plateforme. Ah mais c'est une plateforme. Oh là, Galax. Ah d'accord. D'accord, on peut pas aller là-bas, non? D'accord, donc là, c'est du gauche-droite. Non! Abusé! Allez, alors là, on se trompe pas. Attendez, on se garde. Let's go. Hop, on fait la zone sans sauvegarder, par contre. Ah, notre dieu! F3. Allez, let's go. On va y arriver, les amis, vous en faites pas. Boum! 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 Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Je me prépare, je me concentre un tout petit peu. Hop. Voilà, et enfin, dernière zone, il y a un point de checkpoint en haut. Ah bon, le point de checkpoint avec la fonction de sauvegarde que j'ai avec l'émulateur, ça ne change pas grand-chose, honnêtement. Vas-y, saute là. Ah, pourquoi j'arrive pas à sauter? Allez, c'est bon, apparemment, il y a une truc là-bas. Je vais récupérer la vie, quand même. Attendez, hop. Ouh. Ouh. Tant pis, on recommence. Moi j'ai récupéré la vie et la caisse spéciale. Ah là là, c'est chaud. Voilà. On remonte. Tout en haut, tout en haut, tout en haut. Hop, on reprend ça. Ah, j'ai loupé. Magnifique. Ah, deux fois. Abusé. Voilà, on y est. Attention, plateforme. Repuser ça. Ok, c'est bon. On est arrivé en haut. C'est pas un niveau très simple. Hein. Oh, c'est quoi ça? Oh, je l'ai éliminé direct, pourtant il paraissait un petit peu bizarre. Ah, qu'est-ce qu'on a ici? Apparemment, on peut y aller dedans. Ah, c'est des coffres. D'accord, des vies. Tout ce qu'il faut. Allez, casse tout. Alors, on voit pas bien parce qu'il y a un portail devant. En tout cas, c'est du lourd. Ok, on peut pas aller plus loin ici, il n'y avait pas quelque chose, non? Attendez. Non, il n'y a rien ici. Non, ok. C'est bon. On a pris ce qu'il fallait. Ah, c'est un endroit caché. Une petite... cache de... Waouh. D'accord. Si tu veux... J'ai pas tout compris, mais... D'accord. Bon. Alors, en plus, ça m'a même pas pris en compte ça. Alors, attendez, on va reprendre de là. C'est pas facile. Voilà. Là c'est bon, en plus on va mémoriser les caisses. Hop, dégage. Là c'est bon. Alors par contre là l'escalier, on va se regarder. Parce que ça paraît chaud. Ah c'est bon, fallait juste passer dessus. Bon. Ok. Les chauves-souris. Niveau quand même un petit peu compliqué. Hein. Oh! Oh! Waouh. Alors là, les amis, c'est juste une difficulté ahurissante. Ah! Non! Non! Là. Ah non plus. Pourtant j'ai 20 vies. Au pied.
Voilà, je t'ai eu. Tant pis pour la caisse. Attention, on va attendre un petit peu que les chauves-souris passent. Oh, méchant. Ah d'accord, j'ai l'impression qu'en fait, quand on est entre les chauves-souris, en fait, lui, dès qu'il se retourne, c'est mort. Alors, attendez, on va attendre qu'il se retourne là. Ah, vous voyez, dès qu'il est retourné, c'est mort. Donc, faut le prendre par l'arrière. C'est con de dire comme ça, mais... Zut. Alors, heureusement que j'ai la fonction de sauvegarde. Voilà, on l'a eu. Impec. Allez, le bonus round. Ah, c'est pas évident hein, de commenter en même temps de jouer à ce let's play. C'est ce que je vous avais dit. Donc, je fais toujours pas les épisodes en différé, hein, les amis. Parce que vous me l'avez demandé. Mais honnêtement, vous voyez que j'en galère pas mal, alors j'en galérerais bien moins si j'étais... Ah non, d'accord. Ah loupé. Tant pis, retour dans The Lost City, on a quand même récupéré pas mal de pommes. J'aurais dû en prendre un petit peu dans toutes les caisses, au pire, je pense que ça aurait été plus bénéfique. Oh là là. F3. Bah comme ça, on va pouvoir refaire le truc. Tiens, j'ai repris la sauvegarde. Ok. Allez, go. On va faire un petit peu tous les machins. Allez. Oh là là, c'est impossible de tenir, complètement impossible. Super dur. Ok. Bon. On continue. Oh nom de Dieu. D'accord. Ok, j'ai compris un petit peu le principe des petits escaliers. Wow. Oh, comment j'ai fait ça, moi? Ah, tant pis pour ça. Non, c'était pour faire apparaître les caisses. Mais tant pis, on a quand même réussi à passer le niveau. Ça, c'est appréciable. Donc, je veux pas dire que je joue speedrun, parce que franchement, je vais pas vite du tout. Mais j'essaye pas forcément de récupérer les caisses, pas forcément de prendre toutes les pommes, et pas forcément de tuer tous les ennemis comme il faut. Voilà. Temple ruine. Ruine. Oh là, temple. Temple en ruine. Ça me fait un peu peur. Ok, donc on a déjà bien avancé ce truc. Donc on a fait quoi? On a fait le boss, on a fait The Lost City, et on va faire Temple Ruin. C'est parti. Oh, ce jeu est de plus en plus difficile. Oulala, là là, alors là. Tant, 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 tant. Quoi? D'accord. J'ai compris. Ça commence. Ça commence. Vous voulez déjà m'en faire baver? Ok. Ça va être compliqué. Let's go. Oula, il y a un petit lag là. Alors, me demandez pas pourquoi. D'accord, donc c'est des plateformes. Ouah, le serpent! C'est des plateformes qui. Zut, j'ai fait échapper la vie. Alors, ça va pas le faire par contre. Faut absolument que j'ai la vie là. Ouga bouga. Si j'ai pas la vie, ça va pas le faire. C'est un petit peu comme les plantes, hein, les serpents. C'est pareil. C'est la même race, nom de Dieu. Et hop, on y va. Boum, les parfums qui descendent. C'est vraiment chaud, honnêtement. Checkpoint, F1. On va y arriver, vous en faites pas. Un jour viendra, on y arrivera. Ou pas. Hein? C'est carrément chaud. Je ne parle pas trop, puisque c'est compliqué. Bah, là en plus on voit absolument que dalle. Allez, dernière plateforme, oui. On y est arrivé. Ça fait plaisir. Attention, chauve-souris, on approche. Alors là, à mon avis, on va avoir un défilé de chauves-souris. Non, c'est bon. J'aurais bien cru, là. Ah, l'araignée! Vous avez-je dit que j'étais arachnophobe? Je crois que oui. My god. Donc, on en est à 26 vies, donc tout va bien. Non!
Ah d'accord, j'ai sauvegardé là en plus, comme un con. Énorme ça. Ok, bon, on va reprendre là du coup, des points de sauvegarde classiques du jeu. Vu que j'ai loupé ma sauvegarde émulateur. Tant pis, ça fait plus réaliste. Allez. Non. Ah merde, je reprends de là du coup, je suis con moi. Ok, ok, ok. Bon, on avance. C'est quand même relativement compliqué. Hop. Concentration. Hop. Et enfin, hop, hop, hop. Et les chauves-souris qui arrivent normalement. Voilà. C'est un défilé de mode. Hop. Hop. Tue-moi cette araignée, là, nom de Dieu. Concentration. Bref, fallait où, fallait à gauche. Il y a bien quelque chose là. Il n'y a rien. Ah si, il devait y avoir quelque chose. Attendez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a ici? What? Oulala. Ça va, jusqu'à maintenant c'est cool. Ouais, jusqu'à maintenant c'est pas forcément plus dur que le niveau qu'on a eu sur la forteresse. Zut. Ouais, je reprends là. Allez, c'est parti. Oh là là. Ah, je vous jure quand même, c'est pas facile. C'est un jeu qui est vraiment super agréable à jouer. Oula. Par contre, je me souvenais pas avoir une telle difficulté à faire le jeu. Donc quand je vous ai dit, c'est peut-être qu'à l'époque, juste... Peut-être qu'à l'époque, justement, on était plus habitué au contrôle des flèches directionnelles. Ça, c'est très, 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 très possible. Mais bon. C'est vrai que c'est... Putain, mais c'est pas vrai. Oh là, j'ai chaud, là. Hop, allez. Hop. Non. Qu'est-ce que je fais, moi, sérieusement. Ah. Hop. Hop. Et hop. Allez, F1, on sauvegarde, et on y va. Et on recharge. Attendez, ça passe, ça. Ah, zut. Ah, d'accord, mais il faut maîtriser le feu aussi. Attendez, faut gérer les pointes, le serpent et le feu. Waouh. Franchement, chapeau, les mecs. Hein. Chapeau, Naughty Dog, d'avoir fait un jeu aussi dur. Allez go, je passe en face. Allez, nuée de chauves-souris. Je le sentais bien, c'était gros comme une valise. Waouh, j'ai oublié ça. Prends le petit masque. C'est parti. Non. Allez, on recommence. Donc attention à ça. Putain, mais on se croirait vraiment dans du Indiana Jones. Ah zut, j'ai pas fait gaffe aux chauves-souris. Encore une fois, je vais aller trop vite. Allez, referme-toi, sésame. Zut. Attendez, on se concentre. On va pas trop vite, on est pas pressé. Hein. Ouais. Et maintenant? Et maintenant? Je vais où? Ah là, d'accord. Je voyais plus loin le saut, tu vois. Bizarre. Allez, monte en haut. Monte. Bah, en même temps, on va pas monter en bas, hein. Boum. Donc là maintenant il y a qu'un endroit où aller. Bah il y a... Ouais. C'est ici. Hop. Alors des fois on détecte pas bien où il faut aller. Donc ouais, c'est peut-être un petit défaut du jeu. Vraiment petit parce que bon, c'est pour chipoter quoi. Attention, F1. Hop, on va là-bas. Essayer de prendre les pommes. Checkpoint. Ça c'est où des araignées? J'aime pas les araignées. Ok, deuxième endroit. Elle fait vraiment très très sombre dans ce niveau, c'est pas évident. Allez. J'adore les bruitages, c'est énorme. Allez, on se met là. Hop, c'est bon. Ouf. Ah, c'est un petit peu répétitif quand même, ils auraient pu mettre d'autres trucs. C'est un jeu mythique ça. Oh, des vies, mon dieu. Vous voyez pourquoi le jeu est compliqué? Ils en donnent des vies de partout. Bon, heureusement que j'en ai assez, heureusement que j'ai la sauvegarde. Putain. Heureusement que j'ai la sauvegarde de l'émulateur, sinon j'en aurais plus beaucoup des vies, hein, honnêtement. Voilà.
Voilà, on prend les deux. F1, on sauvegarde. Hop, c'est parti. Hop, c'est parti. Et hop, c'est parti. Et encore une vie. Mine de rien, là, on les prend vite, hein, les vies. Hein. C'est cool. Attention! Non, je suis tombé. Je vais aller trop vite. Je voulais faire la speed. À la speedrun. Ok, on peut y aller. C'est juste improbable comme le jeu est dur. Voilà, là on y est et on saute. Et c'est la fin du niveau. Youpi! Alors je crois pas que j'ai eu un bonus round ou un bonus stage. Enfin, c'est la même chose, mais je crois pas que j'en ai eu un. Il me semble pas que j'ai récupéré les images. Ok, Road to Nowhere. Route de Nowhere. J'ai un petit peu peur, ça a l'air en hauteur tout ça. Alors, est-ce que ça va être un niveau un petit peu spécial? On va voir ça tout de suite. Road to Nowhere. To Nowhere. Ah, ouais, c'est un petit peu spécial. Danger. Ça me dit rien de bien bon. En tout cas, niveau graphisme, ça change beaucoup, beaucoup de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Avec un petit peu de brouillard, un pont. Franchement, ça a l'air de faire peur. Allez, on a bientôt la vie. Oula, alors là, honnêtement, ça a l'air compliqué. Est-ce qu'on va y arriver? Bonne question. Oula là. Ouais, c'est bon, je l'ai eu. Ah, zut. On va recommencer de là. Hop. Ah, ça a l'air quand même plus compliqué qu'avant. Alors attention. Bon, raté. Vous voyez ce que ça fait quand on se rate? Les planches tombent en plus. D'accord. Je vois un petit peu. C'est quoi ça, tu m'expliques? Ah d'accord, c'est un truc que... Ah, c'était sur ça qu'on avait monté tout à l'heure, je crois. Pour le niveau qui était vachement dur aussi. Allez, on a récupéré une vie, j'ai 34 vies. C'est plutôt une bonne chose, hein. C'est un bon constat de voir ça. Alors en fait les plaques, zut, enfoiré. Les plaques rouges, c'est celles qui vont tomber. Les plaques beige, jaune, c'est celles qui restent. Enfin, les plaques couleur bois classique, c'est celles qui restent tranquillou. Alors là, je vais attendre l'autre. Hein? Ah d'accord, on peut pas le tuer. Ah, apparemment, on ne peut pas le tuer. Bon. Alors, on s'en va, alors? Non! Si on ne peut pas le tuer. Ouais, on ne peut pas le tuer. C'est quand même bizarre, hein. Entre nous... D'accord, faut l'éviter parce que des fois il est de ce côté, des fois il est de l'autre. Enfin, c'est bon, on est passé. Ok, alors celui-là en tout cas il est vachement original comme niveau, j'aime beaucoup. Ah d'accord, et les planches bleues, c'est celles qui glissent. Ouah, quoi? Et les planches bleues, c'est les plaques glissantes. Waouh! Ah, ça joue à une planche là. Nom de Dieu. Alors c'est pas offert hein, ce niveau. Ok. Oh là là, d'accord, bon c'est faisable. C'est faisable mais c'est pas facile non plus hein. Alors on va essayer d'attendre le truc là. Ouais, vas-y. Ah là là, d'accord. Ok, ok, alors heureusement que je perds pas de vie entre les bordels. Ah, chaud. Putain, les gens qui ont fait le jeu comme moi à l'époque, avec la sauvegarde de la console, combien de temps avez-vous mis pour faire ce genre de niveau? C'est juste un truc de marteau. Voilà, c'est bon. Il suffit d'anticiper un petit peu, de faire gaffe, et je pense qu'on peut y arriver. Mais vraiment, ça devient quand même à peine compliqué. Regardez, les planches sont à peine tout petites. C'est bon. Cool. Relax, Galax. Relax, ça glisse, attention. Oh, une planche, deux planches, une planche. Ah, bien. Non, vraiment là. Vraiment, ça y est là. Vraiment, ça y est là, ça commence. On s'arrête là, on sauvegarde. Alors là, je vais faire des petites sauvegardes petit à petit. Voilà, sauvegarde. Ah, c'est chaud là. Est-ce qu'on peut faire deux par deux? Non, en plus, on a opté de sauter une par une. Donc celle-là, je peux la faire à deux. Celle-là, non. Ah, là, c'est dur par contre. Vous voyez que vous avez qu'une seule planche. Waouh. Ok, c'est bon, là on l'a eu. On va y arriver. Là c'est pire, vous avez une demi-planche. Est-ce qu'on peut sauter directement? Ouais, de toute façon on peut sauter directement. Ah.
Nom de Dieu. Je crois qu'en fait elles tiennent pas. C'est énorme. Je vais y arriver, je vais y arriver. Concentration. Faudra que vous me dites après dans les commentaires ce que vous pensez de la difficulté du jeu. Oh putain! C'est long! Ah! Je fais des replays instantanés, moi. Ouais, ouais, non. Chaque fois la dernière planche qui me pose problème, je ne sais pas pourquoi. Allez. Ah bah là, c'était pas la dernière. Pourtant, je suis passé à travers, hein, vous voyez, donc c'est marrant. D'accord, voilà, carrément direct. Ouh. Voilà, hop, on s'arrête. Putain, je crois pas qu'il faut s'arrêter, en fait, faut continuer de tracer. Je pense que c'est censé être instinctif, hein, un peu, le passage des planches. Putain, c'est pas vrai. C'est pas donné. Merde, pourquoi je suis retourné en arrière? Cher galaxien, chère galaxienne, aidez-moi. On n'est pas en direct, donc ça va être compliqué. De toute façon, je vois pas ce que vous pouvez me dire, je sais très bien ce qu'il faut faire, c'est juste une histoire de PGM ou pas, après. Une histoire d'anticipation. Stop, je m'arrête au milieu. Voilà, F1. On reprendra de là, comme ça on aura plus de chance. Voilà. Voilà, j'ai réussi maintenant. Ok, allez, on y va. C'est la glace, attention, ça glisse. Ok, d'accord. Ça glisse beaucoup ou pas? Waouh, mais je croyais qu'il y avait toujours des planches là. Ah, effectivement, ça commence à être dur ici. Je vous la... Oh là là, on voit rien en plus, tu crois que c'est toujours des planches, mais non. De moi, on se calme. Allez, est-ce que j'ai le... Ouais, j'ai le triple. Ok, c'est bon, impeccable. Donc ça, c'était une bonne nouvelle. Voilà, on va se reposer un petit peu par rapport à ce niveau avec plein de planches. Vraiment, ça commence à être chaud. Allez, c'est parti. Niveau 2D, hein, comment vous voulez qu'on fasse ici? Yeah, la classe. Il y a rien en haut, tu vas me dire. Eh ben non. Ah! D'accord. C'est pas grave. On s'énerve pas. On reste calme. Et on continue ce foutu niveau. C'est parti. Pardon la tortue. Toi tu m'embêtes pas. Et ouais. Allez, on va reprendre de là. C'est un truc de fou. Ah d'accord, faut aller s'en servir. Wow, 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 voilà, c'est la fin du niveau. Wouh. Impeccable, donc je suis content. Great, but you missed 7 night 11 bucks. D'accord, ok. Bon, c'est déjà pas mal, on a réussi le niveau. Pour ma part, c'est le principal dans ce jeu, d'au moins réussir à faire le niveau. Donc on a fait quoi? On a fait, si je ne m'abuse, le boss Reaper Roo. Ça en fait 1, on a fait The Lost City, ça en fait 2, Temple Ruin 3 et Return of 4. On va en faire un cinquième, c'est Boulder Dash. Et à mon avis, après il y aura un nouveau boss. Apparemment je vois un volcan là-bas. Ça fait peur. Allez, on fait Boulder Dash les amis. Dernier niveau de cet épisode numéro 4 je crois du Let's Play. Ah, petite scène de poursuite, hein, ça le sent bien en tout cas. Alors je ne connais pas le jeu, je ne me souviens pas du jeu à partir déjà de la deuxième, je ne m'en souvenais pas à partir de la deuxième île. Je me souvenais un petit peu du boss Reaper Roo, mais là honnêtement je m'en souviens plus beaucoup, mes souvenirs par rapport à ce jeu sont un petit peu épuisés. Honnêtement, ah voilà, on retrouve la roue, sauf que ici ça va être bien entendu un niveau bien plus compliqué, hein, normalement. Ouais, la roue va un petit peu plus vite en plus. Ok, donc là on ne va même pas chercher à avoir les bouboules. Parce que ça a l'air relativement très compliqué. Ok, c'est bon, donc là ça se bloque. Impeccable. Hop, je vais faire F1 quand même. Même si, bon, c'est pas ce type de niveau qui m'inquiète le plus. C'est plus ces niveaux classiques avec lesquels j'ai du mal. Mais bon, ne parlons pas trop vite à mon avis. Voilà, ça se complexifie. Ça tourne.
plus, on voit rien de ce qui se passe devant. Donc là, c'est le temps de réaction qui prime. C'est même pas l'anticipation. C'est le temps de réaction. Ok. Et surtout, suivre les pommes, ça peut être vraiment un argument de victoire. Waouh, waouh. Alors là, c'est impressionnant pour le coup. C'est bon, on peut respirer un petit peu après ces sessions de boules. Ah, il y a encore une boule, donc ce n'est pas fini. Attendez, je vais d'abord prendre ça. Avant d'activer le roulé-boulé de la boule. Hop, prends les pommes. Voilà, et enfin, on active la TNT, s'il te plaît. C'est parti. Alors là, par contre, je ne voterai pas cher de ma peau. Oh, y a une grosse boule qui me suit. C'est bon, on peut y arriver, les amis. Ouh, ça a l'air plus long. Ouh là là, ça a l'air long. Ouh là là, ça a l'air compliqué. On s'accroche, C'est pas fini. Ce passage est extrêmement long. D'accord. Ouais, je vois. Alors là, par contre, c'est bien plus long. Faut tenir plus longtemps. Ah zut, ça m'a fait exploser la caisse. J'étais pas sûr. Ok, c'est parti. On y va. Donc là, par contre, il faudra sauter bien plus loin. Il faudra sauter tout au bout. Donc ça, je me rappelle par rapport même au Crash Bandicoot sur PS2 que j'ai fait il y a quand même quelques temps. Vous allez voir qu'il faut sauter tout au bout des plateformes. Donc jusqu'ici, non. Mais après, oui. Parce que justement, il faut aller bien plus loin. Et ça, c'est vraiment le plus dur dans ce jeu, dans ce Crash Bandicoot, dans ces phases-là. C'est de pouvoir... Waouh. De pouvoir sauter. Et voilà, direct, t'es rectifié dès le premier saut. Dès le premier saut, si tu sautes pas à fond, loin, sur cette séquence de plateforme, c'est fini. D'accord. Ah, honnêtement, c'est très compliqué. Allez, go. Donc là, c'est bon. Saut classique. Par contre, après, sur les prochaines plateformes, saut bien plus éloigné. Ok, je vois. Alors là, faut se préparer à mort. Attention, préparation mentale. Hop. Hop. Wow, saut trop loin. Là, c'est bon. Voilà, c'est bon. Ok, préparation mentale et physique, c'est bon, chaud, hop. Je me suis pas dopé en plus. Attendez, oh. Ok, but you missed. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 box. Alors là, pour le coup, j'ai loupé pas mal de caisses. Allez, on continue. Bon. Bah écoutez, c'était pas évident cet épisode, encore une fois. Peut-être plus facile que les deux épisodes précédents, ça c'est clair. Alors on arrive de plus en plus, je pense, je dirais pas vers la fin de l'île, quoique presque quand même, vers le volcan. Donc si, remarque, si ce sera je pense que le volcan, ce sera la fin de l'île. En tout cas, voilà, moi ça m'a fait plaisir de vous présenter 5 niveaux, si je ne m'abuse. Donc c'est à peu près le nombre moyen de niveaux par épisode. Donc Reaper Rule Boss, The Lost City, Temple Reign, Road to Nowhere, No Here, et Boulder Dash, ce qui nous a fait 3 niveaux. Voilà. Alors apparemment, il y aurait un autre niveau ici avec la cabane, là je vois qu'il y a un emplacement rouge. Ou alors je délire complètement, je ne sais pas. Alors en tout cas les amis, on se laisse là, c'était un plaisir de vous faire cet épisode sur Crash Bandicoot. La prochaine fois ce sera Sunset, Vista en tout cas, portez-vous bien les amis. Et à la prochaine, ciao ciao.